abla bayo. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Nous nous retrouvons dans les locaux de l'ambassade de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis. Nous sommes venus à la rencontre de Mme Fatou Sylla. Elle est promotrice d'objets d'art. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a des objets d'art qu'elle a collectés depuis 50 ans. Et le lancement officiel, c'est pour très bientôt. Mme Fatou Sylla, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Est-ce que vous pouvez parler un peu du lancement officiel qui aura lieu bientôt dans le programme et puis un aperçu des objets d'art que vous avez ici et si aussi un appel à lancer pour que toute la communauté vienne prendre part à ce lancement officiel et pourquoi pas venir acheter ces objets d'art? Je vous remercie. C'est un grand honneur pour moi d'être ici à Washington, invité par l'ambassadeur Diabaté pour faire ma présentation de mes objets d'art ici à Washington. Je le remercie beaucoup en passant. Mais comme vous dites, ça fait 50 ans que je collectionne les objets d'art. Et c'est un grand plaisir pour moi parce que je crois qu'il faut donner la valeur à notre culture. Et j'ai toujours aimé tout petit. Et l'opportunité pour moi, c'était d'aller dans un grand pays. Et j'ai choisi l'Amérique. Je pense que c'est une bonne chose de faire connaître. Ils savent déjà qu'est-ce que c'est les objets d'art africains, mais il fallait que moi-même je vienne pour les expliquer qu'on doit aider la jeunesse africaine et ivoirienne, ceux qui sont dans l'art, qui se battent pour faire la création, de le mettre sur le marché pour vendre, pour qu'ils puissent s'occuper d'eux-mêmes. Et pour moi, c'est très important. Parce que, comme on achète un grand tableau Picasso, on doit acheter un art africain. Et c'est quelque chose que, plus tard, il y aura beaucoup de valeurs. Et ça, c'est cette valeur que je voudrais que l'Amérique toute entière achète les objets d'art africains et ivoiriens. Alors, la présentation officielle de ces objets d'art, c'est pour la semaine à venir? Oui, elle sera présentée le 18 septembre. À 18h, à 18h à 20h30, c'est le lancement et c'est jusqu'au 20 octobre. Je pense que la grande partie de ceux qui aiment l'art ivoirien africain, je les invite tous à venir à l'ambassade pour voir ce que j'ai collecté pour qu'ils sachent que
je suis un peu âgé, mais j'aime l'art africain et je crois qu'il y a beaucoup qui sont comme moi et viendront découvrir ce que j'ai collecté pour eux. Voilà, en dehors de promotrice d'objets d'art, je voudrais savoir qui est Madame Fatou Sylla. Et Madame Fatou Sylla, je suis président du directeur général de la SAFICA, et qui fait 50 ans que j'étais industriel. Et j'ai fabriqué tous les cahiers de Côte d'Ivoire. Beaucoup de jeunes ont écrit sur les cahiers SAFICA. En ce moment, j'imprime les livres de Seda et Nei. Et la grande partie des Ivoiriens me connaissent et la sous-région aussi. Et vous savez, j'ai passé la retraite, mais c'est pour faire autre chose que je me suis lancé dans l'art, pour démontrer aux autres qu'après la retraite, on peut faire autre chose. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Un dernier appel, des remerciements. Oui, je remercie Apexi qui a osé m'aider pour venir aussi loin pour faire ma présentation. C'est très important parce que l'exportation de nos produits à l'extérieur nous donne des ailes pour que demain tous nos jeunes puissent vraiment vendre et se prendre en charge. Je remercie donc toutes les initiatives qui sont prises pour ma fondation. Je les remercie. Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, comme c'était comme ça par hasard que nous sommes arrivés ici à l'ambassade, et puis nous sommes tombés sur Madame Fatou Sylla, promotrice d'objets d'art. Elle a dit, nous avons tous utilisé ces cahiers en Côte d'Ivoire, nous avons tous écrit dans ces cahiers, et puis elle a retenu une date, c'est le jeudi 18, des heures de 18h à 20h30. On va tous se retrouver ici à l'ambassade, et puis pourquoi nous allons découvrir ces objets d'art que Madame Fatou Sylla a commencé à collecter il y a de cela 50 ans. Merci. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.